Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Alors, le ministère des Mines au Burkina Faso vient de prendre une décision très importante, très salutaire, qui devient une très belle leçon pour toutes les sociétés qui s'installent désormais au Burkina Faso. Et cette décision a été prise au bon moment, puisque trop c'est trop, et la foutaise était vraiment grande. Oui, c'est une décision qui a été discutée en Conseil des ministres le 20 mars passé. Elle a été validée. Et aujourd'hui, 22 mars 2024, la décision a été, n'est-ce pas, annoncée. Cette décision, il s'agit de quoi? Il s'agit du retrait du permis d'exploitation d'une mine d'or qui a été attribuée à une société afro-turque. Ce qu'il faut dire, c'est que ces permis dont nous sommes en train de faire allusion sont très convoités, très très convoités. Ces permis sont vraiment convoités. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la société qui a reçu ce permis d'exploitation juste en 2023 passé et à peine 2024 qu'on retire, n'est-ce pas, le permis d'exploitation à cette société? La raison va vous mettre très mal à l'aise. Ça va vous révolter. Mais avant de continuer, chères dames, chers messieurs, je vous demande comme d'habitude de cliquer ici sur les j'aime, mettez beaucoup de j'aime, ça donne plus de visibilité à la vidéoconférence. Au milieu ici, cliquez pour laisser votre avis, et si vous n'avez pas d'avis spécifique, vous pouvez mettre salut le samouraï. Cliquez ici sur le bouton partager, juste ici, pour partager la vidéoconférence dans tous les groupes. Parce que ce qui s'est passé, ça doit servir de leçon et ça va servir de leçon aux autres sociétés qui veulent venir s'installer au Burkina et même dans les autres pays d'Afrique. Ce que le Burkina vient de poser comme acte doit interpeller et doit inspirer une nouvelle fois tous les autres ministres dans les autres pays de l'Afrique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle est la raison pour laquelle le permis d'exploitation a été retiré à cette société? La raison, elle est tellement banale. La société a suivi toute la procédure d'octroi du permis d'exploitation. Je rappelle que ces permis sont très convoités. Il s'agit de l'exploitation des mines d'or au Burkina Faso. La société a reçu son permis d'exploitation. En retour, la société devrait verser les frais d'octroi du permis. Mais vous savez quoi? Cette société a refusé de payer les frais d'octroi du permis d'exploitation. Le gouvernement, le ministère a relancé cette société. On lui a rappelé de s'acquitter du montant. Le montant n'a pas été précisé. À plusieurs reprises, cette société s'est comportée comme si le sol burkinabé appartenait à ses grands-parents. Le plus important pour elle, comme elle avait déjà l'autorisation d'exploiter, la société continue à exploiter et faire la sourde oreille face au rappel et aux relances du ministère des Mines. Mais le ministère des Mines ne s'est pas limité là. La société a été mise en demeure pendant 90 jours, pendant 3 mois, une mise en demeure de s'acquitter de ce montant.
chère dame, cher monsieur. Cette société extrêmement orgueilleuse a refusé de se plier. Et c'est mal connaître les Burkinabés. Les autorités burkinabées ne durent pas dans mauvais rêves. La décision concernant la société est passée au Conseil des ministres. Rapidement, le président est là, tous les ministres sont là. Ça a été validé. Retirez-lui le permis. Bang, bang, caché. Aujourd'hui, l'annonce a été faite. C'est là maintenant. Vous voyez les Occidentaux dire non, bon, oui, mais machin, machin, il fallait, il faut en l'espèce, il faut voir dans quelle mesure, avec ces manières bizarres de parler. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Comme si le sol du Burkina appartenait à leurs parents. Et vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça que l'Afrique a toujours été exploitée gratuitement. C'est comme ça que nos ressources ont toujours été exploitées. La société, beaucoup sont en train de dire, mais non, surtout les Occidentaux, non, la société a investi beaucoup d'argent, les autorités devraient comprendre et trouver la manière facile pour régler ce petit incident. Eh, Seigneur, c'est ce que vous appelez petit incident. Donc le montant dû n'a pas été précisé. Cependant, les contrats signés l'année dernière s'élevaient, c'est plusieurs contrats, hein, s'élevaient à 30 milliards de francs CFA, soit environ 45 millions d'euros actuels. L'entreprise s'était engagée à plusieurs milliards d'investissements dans les infrastructures et des bases militaires. Oui, malgré tout. C'est-à-dire, l'entreprise avait commencé à poser d'autres actes. Elle s'était engagée, voilà. Elle s'était engagée à poser d'autres actes. Malgré tout, le ministère du Niet, c'est bon. Ils ont lancé un nouveau processus d'appel d'offres pour remettre en jeu les permis particulièrement convoités. Si c'est pas Paul, c'est Pierre. Et sur le continent, le débat est là. Il y a un débat par rapport à ça. Sur le continent africain, ça en parle dans les médias, etc. Mais les Burkinabés sont fiers. Les Burkinabés répondent comment? Ils disent, c'est chez nous, c'est notre pays, c'est notre sol, c'est notre permis d'exploitation. Si on veut, on le donne à qui on veut. C'est pas terminé. Alors, chères dames, chers messieurs, voici un exemple concret de comment est-ce que les gens abusent toujours de nos richesses. Et vous allez voir que cette société qui refuse de payer les frais d'octroi, etc., est parrainée par une puissance occidentale, certainement. Sinon, une simple société face à un État ne peut pas accepter de se mettre dans un tel bras de fer, et puis on te respecte, on te relance jusqu'à ce qu'on te mette en demeure. Alors voici l'information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de la partager au maximum. Faudrait que les autres Africains sachent ce qui est en train de se passer dans ce pays des hommes intègres, le Burkina, et qu'au sein des autres administrations, qu'on se réveille. Parce que ce qui vient de se passer, ça se passe régulièrement dans la plupart de nos États. Seulement qu'on n'en parle pas et puis ça reste lettre morte. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.